Damn, ce chacal de proprio m'a encore coupé l'image. Les environs de la faille de San Andreas ont présenté cette nuit une singulière activité. Mais il me reste au moins le son. Ces mouvements ont surpris tous les observateurs scientifiques. Cambé. Greg Saunders, de la île Centauri. Abrégeons, Greg, j'ai des problèmes. Vous êtes sur une nouvelle affaire? Non, pas vraiment, non. Je suis seul dans le noir, je vous expliquerai. Edward, j'ai un western en panne dans le désert. Quoi? Billy Silver s'est enrhumé? L'équipe de tournage a disparu. $1,000, plus les frais. 500. 800. Canby, Emily Hartwood est là-bas. Votre amie, oui. Elle faisait partie de l'équipe de tournage. Alors ce sera 1,200. Bien. Vous avez une carte? De quoi noter? J'ai une carte et 5 secrétaires au bout de chaque bras. Je vous écoute. Vous voyez Barstow, à l'est de Los Angeles? Vous continuez plus au sud, sur 50 miles. Puis vous reprenez vers l'est, sur 5 miles, après Las Verdes, filez jusqu'au trait noir. Vous le voyez sur la carte? C'est la faille de San Andreas. Hey, mais c'est le désert Mojave, ça! Canby, là-bas, il y a une ville. Pas vraiment une ville. Une ville fantôme. Slaughter Gulch. Ok, je suis votre homme. Jedstone came to the field of graves. Buried his hands in Mojave graves.
he found himself a golden bird. And soon the wind done spread the word. Prospectors came from miles around. 11 days they dug the ground. But there was evil in that mud, and Slaughter Gulch was born in blood. The whiskey seller, he came too, and hid his liquor out of view. The varmint who can turn that horn and tell the tale just ain't been born. 11 days and nights did pass. And Sheriff Dawson came at last. He swore his band of lawless men would follow Stone until the end. Burris, vieille crapule, passe par le tonneau et amène une bouteille dans ma cellule. Signé, le gaucher.
wanted dead or alive. Duke et John Elwood. Reward, $2,000. $2,000, c'est une sacrée somme. Mais... Wanted dead. Lee Tung, alias Cobra. Reward, $300. Attention. Cet homme de la Sam Yap s'est évadé une fois en plaçant une cartouche de 30-30 dans la serrure de sa cellule et en la percutant avec un atémi. Wanted dead or alive. John Marvin, alias Lone Miner. Reward, $400. Ce dur à cuire est si cupide que seul un projectile en or pourrait...
Miner's Gazette, 4 juillet 1864. Il y a un an, Arizona Kid était abattu dans le dos par l'impitoyable Fast Jarrett. Depuis, une légende fabriquée par de vieux ivrognes prétend que le Kid revient tous les ans hanter les lieux. Ses colporteurs. Miner's Gazette, 4 juillet 1864. Il y a un an, Arizona Kid était abattu dans le dos par l'impitoyable Fast Jarrett. Depuis, une légende fabriquée par de vieux ivrognes prétend que le Kid revient tous les ans hanter les lieux de sa mort à minuit, pendant que chante le vautour. Ces colporteurs de mensonges jurent que le fantôme du Kid regagne ensuite une image maudite peinte avec son sang. Ils ajoutent qu'il serait alors possible de le suivre. Oh. Thank you.
21 juin. Je ne m'habituerai jamais aux caprices des stars de Hollywood. J'ai appris aujourd'hui que Billy Silver avait exigé d'être payé en lingots d'or par la Hill Century pour son rôle. 24 juin. La faille de Sant'Andreas a tremblé en fin de soirée, au moment où Brett Samuel démontait le projecteur placé près du ravin. Que Dieu ait pitié de ce pauvre homme. De ma vie, je n'ai jamais entendu de hurlements si horribles. 25 juin. Jeff Davis et un autre cascadeur sont descendus au fond du ravin, mais ils n'ont pas retrouvé le corps de Samuel. Billy Silver a refusé de sortir de toute la journée. Il est resté dans la banque, persuadé que les fantômes des prospecteurs de Slaughter Gulch en veulent à ses lingots d'or. 29 juin. Il se passe quelque chose de monstrueux dans cette ville. Billy Silver n'avait peut-être pas tort. Sa mort devant le saloon ce matin n'était pas un accident. Nous avons tous vu cette chose bondir du balcon et insérer ses doigts dans son crâne. 3 juillet. Je suis seule maintenant dans cette ville maudite. Avec Morrison, l'armurier qui se cache je ne sais où. Les autres sont tous morts. Je pense qu'il n'y a plus d'espoir. 'Entier, risque d'explosion. Tenir ses bobines à l'écart de toute source de chaleur et des flashs au magnésium.
With winter came another man. He told Jed Stone about his plan. Your mountain does a treasure hold, greater far than yellow gold. In spring the convicts came to town, compelled to dig below the sacred ground. Compelled to turn by might and main the land beneath into a drain. Jed Stone's next consideration was to build a railroad station. And while his men toiled underground, the Iron Horse pulled into town. The company must realize that Slaughter Gulch is paradise. So Jed Stone built a water tank and rode that train to the rich man's bank.
Les Mondres Ziegler par Z. Ziegler, Zurich, 1913. À l'aide d'un système que je dévoilerai dans mon prochain ouvrage, tout horloger digne de ce nom devrait être capable de commander à distance des mécanismes relativement simples. Une serrure de porte ou de coffre-fort n'aura plus aucun secret pour une montre Ziegler. Hey, si tu bouscules l'homme à la carabine, tu mangeras les pissenlits par la racine. Mais si tu lui donnes à boire, il t'en sera gré, et alors, jusqu'au ciel, il te fera grimper.
Tradition et coutumes navajos par le colonel Walker. Un nommé Prext serait l'auteur d'un livre blasphématoire appelé « Livre blanc ». Ce livre aurait été écrit à l'aide d'une encre particulière. Un nommé Prext serait l'auteur d'un livre blasphématoire appelé « Livre blanc ». Ce livre aurait été écrit à l'aide d'une encre particulière, invisible au premier abord. J'ai entendu dire qu'à la lueur du feu, Prext déclamait ses incantations blasphématoires devant ses fidèles avant de se livrer à des activités impies. Lorsque la pleine lune se reflétera à travers le symbole de Prext, les gestes de tout honnête homme seront ralentis tant qu'il n'aura pas brisé le verre maudit. Celui qui passera le bâton de guerre du fils du tonnerre au centre de la pierre des morts déchirera le ciel et repoussera à jamais les passeurs du Styx. Bye.
be back! Yeah.
Traité pratique d'astronomie par C.N. Rockenen. Encadré par Hercule et le serpent se trouve la constellation de la couronne boréale, Corona Borealis. D'une étendue de 179 degrés carrés, la couronne comprend 20 étoiles de magnitude absolue supérieure à 6, qui peuvent donc être visibles à l'œil nu. Un œil non exercé n'en distinguera que 5 qui forment un arc de cercle. Au bas de cet arc de cercle est située l'étoile la plus brillante de la constellation, Alpha de la couronne, Au bas de cet arc de cercle est située l'étoile la plus brillante de la constellation, Alpha de la couronne, appelée plus communément la perle. Thank you.
Contre la valise et la clé, à minuit, au pied du réservoir, Jetstone. Thank you.
Médaillon t'a ramené du pays des morts, Wazikoum. Mais il te reste une tâche à accomplir avant de retrouver forme humaine. Tu dois rendre à la terre l'aigle qui lui a été volé. Sinon, à l'heure des loups, fais vite. Ce médaillon t'a ramené du pays des morts, Wazikoum. Mais il te reste une tâche à accomplir avant de retrouver forme humaine. Tu dois rendre à la terre l'aigle qui lui a été volé. Sinon, à l'heure des loups, Slaughtergulch revivra. Et le monde mourra. Fais vite. Lorsque les braises auront cessé de rougeoyer, ton âme quittera définitivement cette terre. Ouais. Woo!
Hey, you. Hey, you. Hi, guy. Si tu bouscules l'homme à la carabine,
tu mangeras les pissenlits par la racine. Mais si tu lui donnes à boire, il... Hé, si tu bouscules l'homme à la carabine, tu mangeras les pissenlits par la racine. Mais si tu lui donnes à boire, il t'en sera gré, et alors, jusqu'au ciel, il te fera grimper. Hé, une fois là-haut, gare-toi du vieux cinglé et méfie-toi de ses aiguilles empoisonnées. Hé, oh, hé, moi, je suis mieux sur mon grabat. Hé, oh, hé, la pelle, la pioche, c'est pas pour moi. Hi, guy. Je suis maintenant certain que mon protégé, fruit de l'union d'un nommé Prext et de Bedjaret, Dieu seul sait ce qui est, parent adoptif de Jedstone. Fasse Dieu que Jed, la route tracée par ses diaboliques géniteurs.
Hi, guy. Hi, guy.
Thank you.
Hey, you. Thank you.
Johannesburg Gazette, 2 novembre 1900. Hier, alors que la fête d'Halloween battait son plein, les flammes ont déchiré la nuit. Johannesburg Gazette, 2 novembre 1837. Hier, alors que la fête d'Halloween battait son plein, les flammes ont déchiré la nuit. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans les bâtiments de la mission San Juan. Aucune victime n'est à déplorer, mais on n'a pas retrouvé Gédédia Stone, l'un des jeunes orphelins élevés par le père Don Fernando. Souhaitons qu'il ne soit rien arrivé au jeune Jed. Autour de l'aigle qui règne sur le monde vert, aucun esclave du mal. Autour de l'aigle qui règne sur le monde vert, aucun esclave du mal ne peut survivre. Burris, vieille crapule, passe par le tonneau et amène une bouteille.